partie des préjugés qu'on peut avoir. Le MMA, sport de combat ultra violent, pas très technique, fait par des gros bourrins, et que des mecs très costauds, très machin. Moi, ce qu'on croit, le MMA n'a jamais été interdit en France. C'est simplement que ce n'était pas encadré. Le jour où il y aura une délégation de pouvoir, ça veut dire qu'il pourra y avoir du MMA. Dans tous les cas, je pense qu'il faut que sérieusement, on commence à travailler pour, on va dire, dédiaboliser et démocratiser le MMA.